Salut à tous, c'est Mars Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dofus. Alors on va regarder un petit peu les HDV. On va voir ce qui se passe si on peut faire du craft ou du brisage, etc. Alors, petit rappel, métier, costumage 138 et tailleur 169. Donc va falloir regarder ces zones. D'abord je vais faire un petit truc. Il faut se forcer à y penser. On va nourrir les familiers. Voilà, ça passe en 6-4. Voilà, on a 9 millions de Kamaz, donc on va voir ce qu'on peut faire. Je pense partir par du brisage encore une fois. 169, voilà. On peut aller plus loin que ça. Merde. Ça peut être très rentable. Roi 5. Briser une Roi 5, mais je pense pas que ça le soit. Étant donné vu le prix. Elle est à 648 000. Ah mais non, on pourra pas la FM. Ouais, on pourra pas la FM. Et 80 000, 100 000. Oula, j'ai pas eu le temps de voir. 140 000, 200 000. Ah oui, non. Non. What? Oh, coûte horriblement cher. Là, on a de la puissance du dodo. Résistance. Bon. Résistance neutre. Je crois que c'est la meilleure. Ouais, c'est bien ça. Résistance et pourcentage de résistance. On va partir sur le casque de d'obsidiantre. Ça m'a l'air rentable tout ça. Et on va en faire deux. Allez, on est parti. On a 9 millions, donc on est large, hein, bien sûr. Vertèbre, c'est mode achat plutôt. Prix estimé, ok, c'est parfait. Alors, faire gaffe de ne pas se faire troll par la HDV, bien sûr. Artefacts, les artefacts, je crois pas que ce soit ici. Ouais, non, c'est bien ce que je pensais. Ok, racine de Shenmue, c'est pas là. Scorie. Non, les scories même, c'est pas là. Pierre, non. Pot, ça peut-être que oui. Sprintercell, donc il nous en faut 6. 5 tercelles. Peu rentable par 10. On disait à 9 millions 10. Donc cette fois-ci, on va calculer les camas qu'on a utilisés. Et pierre. Donc là, hop, directement aller chez les mineurs. Voilà, aussi, il faudra ça. Score d'Opsy, il en faut 22. Ouf. Plutôt cool les réductions là. Beaucoup moins cher que prédit. Pierre de fumeur. C'est ça, il m'en faut 46. Oh, putain, il les vend une par une. Voilà, artefact furiole. Il semble qu'il en faut aussi. Il en faut 4. Estimé à 9 000. Il en faut 8 du coup. On va prendre 10. Hop. C'est à tout. C'est à tout. Pierre de tout mystique, c'est ça. Il nous en faut 82. Ok.
Ou 82, est-ce qu'on les aura, quoi? Bon, là, si c'est trop long, j'achète pas un. Si c'est trop long, je coupe. Ok, on va acheter les racines. Bûcheron, bûcheron. Voilà. Racine de chêne bouffe fautisse. Maintenant, ça revient à 300 000. Bon, quoique c'est toujours rentable. Maintenant, on va acheter les galets. Voilà les amis, on a tout acheté. Donc on était à 9 millions 10 à peine. On a dépensé 700 000 camas. Il faut savoir que une seule cape vaut 600 000. On en a deux, donc ça fait 1 million 2. Donc techniquement, on est remboursé de 500 000. Enfin, on fait un bénéfice de 500 000 camas si on les revend comme ça. Alors, j'ai quand même peur, je dois l'avouer, de faire le même fail que la dernière fois pour les couronnes de Monstre Royal, où le bénéfice était de 10 camas peut-être. Ça m'a vraiment fait chier. Ok, on a nos deux casques. Mais après d'un côté, est-ce que ça va se vendre, etc. En Web 170, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attendez, on va regarder les G. Hop. 224 en attaque. Ok. Il y a plus moyen qu'on brise tout ça. Je sais qu'il y en a qui vont se tirer les cheveux si ça marche pas. Mais bon, écoutez, hein. J'ai dépensé de l'argent. Enfin, des camas, pas de l'argent. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. C'est tout ce qu'on va dire. Hein. Bon, déjà, moi, ça m'a permis de up 170, mon métier. Alors franchement, j'espère que ça va marcher, qu'on va avoir au minimum 1 million de bénéfices, enfin 1 million de reventes. N'en peux plus de moi, je n'en peux plus. Comment je peux être aussi nul? Oh non. Oui les amis. Ça, c'est ce qu'on appelle un plus gros fail de l'histoire de Dofus. Je n'en peux plus de moi. Franchement, je n'en peux plus. Je suis quasiment sûr que cette vidéo va vous faire énormément rire. Que pendant toute la vidéo, vous allez me dire, non, ne la brise pas, c'est pas possible. On n'a que 400 000 de bénéfices. C'est-à-dire qu'on est même en perte. Je sais pas si vous voyez un petit peu la loose que je ressens là, un petit peu. C'est vraiment du haut niveau, du très très lourd. Waouh. Je m'en tire les cheveux. Heureusement que j'ai remonté mes camas à 9 millions, sinon j'aurais été dans le caca si j'aurais fait ça avec 2 millions. D'un côté, je savais que sans exo, enfin sans PA ou PO ou PM ou invoque même. Ça part très peu en bénéfice. Donc c'est déjà ça. Putain, les gars. Je suis le boulet. Voilà, c'est moi, bonjour. C'est pas vrai, hein. Bref, le poteau, j'espère que vous avez bien rigolé avec ce vraiment énorme fail. Écoutez, je vais même pas le mettre en vidéo. Bon, sur le titre que c'est un énorme fail, parce que ça va être juste marrant pour vous la découverte d'un fail aussi épique, comme ça vous aurez la même sensation que moi de vraiment rater votre vie, enfin de assister au ratage de ma vie plutôt. Franchement, je pensais pas descendre aussi bas dans l'échelle de la rampe de Kamas. Bien sûr, on va réoptimiser tout ça. Je vais un petit peu plus travailler sur le fait que j'improvise des vidéos comme ça, parce que la plupart du temps quand je le fais à l'arrache, enfin à l'arrache,
où je commande directement et hop 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 hop, je fais le craft ou le brisage. Généralement, vous avez pu remarquer que le bénéfice n'est pas très lourd, alors qu'il y a des fois où je fais 2 millions de bénéfices d'un coup avec 5 coiffes. D'un côté, heureusement qu'on n'en a fait que deux, franchement. Mais après aussi, je pense pas que ça se serait vendu assez vite. Si on aurait vendu en HDV, faut voir. Franchement, bon, j'ai pas d'excuses, tout simplement. Je me suis fail. On peut dire que je débute encore un peu sur le brisage d'objets avec tout ce qui est histoire de runes. C'est pas encore mon délire. J'espère que je vais m'améliorer pour que vous ayez de la bonne qualité et enfin des astuces camas. Parce que pour l'instant, à part rigoler, on ne fait quoi? On fait que perdre des camas et ça nous saoule. Parce que je suis obligé de farmer des putains de familiers. Bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode dans la chaîne. N'hésitez pas surtout à mettre un like sur la vidéo. Enfin, c'est plutôt un j'aime, un pouce bleu. Et si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous enverrai un petit message pour vous dire merci. Mettez un commentaire, je vous répondrai dans l'heure, c'est promis. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime, bro.